De retour sur Saints Row 2, et cette fois-ci on va attaquer donc le troisième gang. Mission, les Sons of Sami. Et voilà, plus à côté. Pas mal. On va prendre une caisse. On va voir ce que j'ai comme caisse ici. Wait for it. Ah! Putain de Bigfoot! J'ai chopé ça la dernière fois. C'est assez fun à conduire ça. Quand je passais par-dessus les voitures et tout. C'est con, si je suis à côté, on peut pas vraiment découvrir ce que c'est. Attention! Ça peut être bien en plus. Hop, prends un petit raccourci. Et on voit là-dessus le mec. Normal! On n'a même pas touché. Je sais pas ce qu'on va faire. Attention, faut freiner là. Bon, je descends. Arrêtez les conneries. Donc allez, c'est parti pour la mission des Sons of Samedi. La lime dans le gâteau. Hey, what's up? I can't believe what they've done here. It's pretty classy, huh? Salut, Chandy. Whatever. A strip club named TNA, that was classy. This shit is just tacky. Nah, so did you c'est find sympa. Out what was in that lower dust shit? Science is hard. Anyway, like I was saying, I can't work it out, but I know someone who Mon can. Poussin. Who? It's a woman I met in prison. She knows more about this shit than I ever will. There's only one. What's the problem? She's still in prison. Great. Ah, cool. Don't worry about it. I know how you're gonna break in. Samson, get over here. Hey, Shanji, I rigged up that bomb you want. Oh! What the fuck? You should probably hurry. Il a activé la bombe, mais. Quel abruti! Ok, génial. La bombe explose dans 3 minutes. C'est génial. Ok, cette bataille ne tourne pas. J'ai un peu de mal. C'est un peu chelou comme ça, c'est ça. Donc là, en fait, il faut sauver une spécialiste en merde. Le Chandy a connu en prison. Je savais pas que Chandy avait fait de la prison. Mais bon. Pourquoi ils me font passe? Ok, je vais tout droit, je m'en fous. Donc là, il y a une bombe, je sais pas à quoi ça sert la bombe. Est-ce que c'est genre faire péter l'électricité comme ça avec, avec les phares et tout pour en pas me trouver? Mais genre, je pense. Si c'est ça, je suis un génie. Hey Shandy, thanks for the bomb and everything, but what the fuck am I supposed to do with it? Don't freak out, I got this all worked out. Je suis un putain de génie qu'il faut faire tout. Faire péter le générateur. So where's the generator? It's not like they gave me a tour of this place when I was in a coma. C'est sûr. Je me suis réveillé, je suis sorti, donc j'ai pas le temps de faire. Thanks, Shandy. Là, c'est que je crois qu'ils m'ont grillé en fait. Enfin, ils m'ont vu, mais ils m'ont battu les couilles. Avec les phares. Pourquoi j'ai une étoile de flic genre on m'a vu? N'importe quoi. Je suis en manga, tu sais. C'est un peu chelou, genre il y a un entrée comme ça dans la prison quoi. Putain de flic. Hitman style! Hop, aux amants. Oh oh putain, pourquoi d'un seul coup c'est 10 secondes? Je regardais quand même. Sans. Bouya! Putain, maintenant faut sortir. Putain, merde, y'a l'alarme. Donc je sors comment? Je peux passer en haut, non? Je peux pas faire le tour en bateau quand même. Je crée plus que ça. Non, je pense qu'il y a une sortie là. Je me putain mais on attend déjà quoi. Ça avec là si c'est con. Ça j'ai déjà fait ça. Ok je sais pas. Ah je sais plus. J'ai déjà fait ça mais bon. Je vais pas sortir, je vais pas rentrer. Putain comment on va y aller. On va enlever la moitié de ma vie.
la clé de workshop là. Ben, les mecs sont plutôt sympas, c'est cool. Juste les flics qui sont un peu chauds là. Hop. C'est quoi votre problème? Je vais rentrer en prison. Not shot! Ça devrait pas les faire chier tant que ça si je rentre en prison, non? T'as le mec qui plongeait et tout. Ça doit être le cas à l'intérieur, je parie. C'est. Oh putain, tire à travers la grille. C'est style un scénario de film quand il y a une émeute. Ah yes, il y a une émeute. Putain, ils sont beaucoup. Genre, ils ont des guns et tout. Attends, ta gueule, toi. Qui c'est qui a donné des guns au prisonnier? Putain, je me casse ici, moi. Lui, il s'en bat les couilles. C'est quoi ce bordel? Non, ouais, faut trouver l'expert en drogue. S'en occuper. Je leur donne un coup de main. Parce que j'étais là aussi. Ah putain, merde. Oh. Ils sont pas occupés. Oh putain. Ça, c'est quoi le bordel? J'ai juste fait péter le générateur. Hein. Il y a eu 30 secondes d'écoulé là. C'est pire que Prison Break. Putain, il prend feu. Je viens de sortir de prison, connasse, non? La meuf est contente. Oh, c'est trop cool. Faut où maintenant? Tu veux sortir, mec? Ah, putain, on peut pas le jouer. L'air con. Je tue les flics en même temps. Bon, je pense qu'il faut faire le chemin inverse. Il n'y a pas d'autre issue. Ok, attends, il y a une... Ok, ils sont là, les flics. Putain, une pipeball. Je peux pas prendre un gun. Mais qu'est-ce. Prends un gun, l'experte là. Je kiffe la meuf, c'est la seule avec un gilet au-dessus de sa tenue de prisonnier. Elle a l'air toute excitée et tout. Bon, on le laisse dans leur bordel. On va contourner tout ça. Yatta! Oh merde, c'est ouvert. Je vais comme si, ouais, c'est bon dessus. Allez, bouge-toi le cul. Putain, cours comme je sais pas quoi. Ok. Donc on est sorti. Putain, c'était pas si terrible en fait. Bon, ok. On n'a pas encore tiré d'affaire. Et merde, les flics. Putain, c'est trop sympa, ils ont mis une voiture pour moi, quoi. Allez, monte. On va leur faire croire qu'on est avec eux. Oh! T'en peux prendre un hélico là? Attends, mais non, moi je m'en bats les couilles, moi je prends l'hélico. On peut le prendre. Ah, je crois qu'il y a... En fait, il y en a un autre qui se. Ah, voilà! Genre, il y avait un hélico juste là. Putain, se bouge le cul là. Voilà, ramène-toi. Sinon, moi je m'en fous, je me barre. Quoique, non, je vais pas me barrer sans elle. J'ai pas fait tout ce merdier pour rien. C'est con, j'aurais connu d'autres gars, je les aurais fait sortir aussi. C'est un peu Prison Break à arranger là. On a fait ça en 5 minutes. Normal. J'espère qu'il va pas y avoir d'autres flics. J'ai des flics avec des hélicos qui me tirent dessus. Ça serait pas cool tout ça. Cool. Mais avant, tu as travaillé pour moi. Oh, genre, t'habites où? Bon, ça va se téléporter. J'espère qu'elle va bien nous aider pour le travail parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Hein. La drogue et les cookies. Hé, hey, Toby. Ok, lui, c'est un putain d'hippie. Ok. Oh. Normal, c'est. Mec, il voit sa meuf. 2 secondes après, viens. Hein. Ok.
Normal, normal, tout à fait normal. Ok, donc ma console vient de friser. Et j'ai dû refaire la maison complète. Génial. On a des nouvelles voitures de personnalisation dedans. Trop cool. Donc c'est génial. Donc bah cette fois-ci ce sera un peu plus court que d'habitude. Désolé. On verra la suite au prochain épisode. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Swag. Ah, ah.